Y aller. C'est un roman, c'est l'histoire de Solal. Solal, c'est un jeune garçon qui va bien, qui est bien dans son époque. Il vit dans sa chambre, ça sent un peu le poney et la vieille chaussette. Il a sa capuche sur la tête. Et son grand truc, c'est Zelda. Zelda, un jeu vidéo bien connu. Et il passe sa vie à jouer à Zelda. Au-delà de ça, il va à l'école. Un bon élève, hein. Tout va bien, il a plein de copains et qui parlent de processeurs, de logiciels, de bécanes qui permettent d'aller encore plus vite dans le jeu. Et puis ils échangent des tas de trucs sur les jeux vidéo, sur l'informatique. Ce sont des geeks. Alors le problème des geeks, c'est que question fille, c'est pas ça, quoi. Et puis voilà que Solal, un jour, il y a la plus jolie du lycée, je sais plus comment elle s'appelle, enfin, elle est très mignonne. Elle le coince dans un couloir et elle l'embrasse. Et alors là, sa vie bascule. Il se dit merde. Waouh, ça y est, je sors avec une fille. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Si elle l'embrassait, c'était juste parce qu'il a une bonne petite bouille, puis qu'elle le trouve sympa. Mais en fait, elle est pas du tout amoureuse de lui, alors que lui, il pense avoir, voilà, rentré dans un univers encore plus grand que celui des jeux vidéo. Et déception. Du coup, il éteint son ordinateur. Il prend un grand sac à dos et il explique à ses parents qu'il part, il va découvrir le monde, le vrai monde, que voilà, il part. Et donc Solal part à l'aventure. Et le roman est construit un petit peu comme une aventure dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il part dans la vie comme on part dans un jeu vidéo. Il lui arrive des choses, il va rencontrer des adjuvants, il va rencontrer des obstacles. Et au bout de sa quête, il aura une princesse à délivrer, parce qu'effectivement, il va rencontrer pour le coup l'amour, pour de vrai, avec une autre jeune fille, hein. Ça, c'est dans le roman. Bon, bah, finir par sortir de son. Il va pas en sortir complètement. Il va rester geek un peu toute sa vie, hein, parce qu'on n'est pas dans une certaine époque. Sans s'en détacher aussi facilement, mais en tout cas, il va pouvoir s'écorcher les genoux et arrêter de s'abîmer les yeux sur un écran. Il va vraiment découvrir d'autres choses. Donc, y aller, édition Derrimanié. Le coupable, c'est moi. À bientôt.